Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Ni no Kuni 2. Alors, bien sûr, on est le lendemain des fêtes. Et pour pas changer, je suis malade. Voilà. Donc, ces derniers épisodes vont être un peu compliqués, je pense. Mais soit. On va le faire. On va faire ça avec. Hein. On va faire avec ça, du moins. Et on va aller à Carapace. Prendre contact avec les gens et parler avec les gens. Bon, il reste quand même, c'est quand même le dernier des royaumes. Yeah. Alors, depuis que notre bon Ratoliro a pris le pouvoir, nos vies se sont améliorées à un point incroyable. Le roi Léopold avait promis lui aussi de mettre fin à notre discrimination, mais c'était un mistigri. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Vous n'avez pas idée des persécutions que les mistigris faisaient subir aux ratocrates, et depuis si longtemps en plus. Quand j'étais petit, c'était déjà infernal. Mais désormais, la situation est inversée. Les ratocrates vivent comme des princes. Son Altesse Ratoléon est le héros de notre peuple. Waouh, carrément. Alors, on va aller voir le dernier. Yeah. La politique du roi Ratoléon favorisant les ratocrates est la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'est un vrai plaisir de se trouver enfin de l'autre côté de la barrière. Enfin, de l'autre côté, j'avoue que c'est un peu de peine pour les... J'ai un peu de peine pour les pauvres mistigris. Mais notre peuple a tellement souffert à cause d'eux pendant de nombreuses années. C'est un peu notre tour d'en profiter maintenant, voilà tout. Si le roi Léopold n'avait pas subitement succombé à une maladie, l'avenir de ce royaume aurait été totalement différent. Tu m'étonnes. If I may be so bold. Il semblerait bien que la majorité des ratocrates soient plutôt satisfaits du règne de Ratoléon. Tu m'étonnes. Mm-hmm. Il n'y a rien d'étonnant cela. La politique qu'il mène est entièrement tournée vers le bien de son propre peuple. Donc si j'ai bien compris, les ratocrates ont été victimes de discrimination pendant des siècles, mais c'est aujourd'hui autour des mystigris d'être persécutés, c'est bien ça? Oui, on dirait bien. Eh ben, t'as pas l'air sûr de toi, gamin. Je ne savais même pas que les ratocrates avaient été persécutés à part à Carabas. J'arrive pas à croire que j'étais aussi aveugle sur l'histoire de mon royaume. Evan. Bon, ce serait bien d'avoir aussi l'avis des mystigris. Il n'y a vraiment pas un chat en ville. Et hey, vous, les petits jeunes, oui, vous qui vous tournez les pouces. Vous pourriez venir ici quelques secondes, j'ai des petits services à demander. Ok. Qu'avez-vous besoin? Merci beaucoup de votre aide, ça fait plaisir de voir que tout le monde est... Que le monde n'est pas fait que d'ingrats. Je n'ai jamais dit que j'allais... Allez, ne perde pas de temps, en blabla. Allez hop, prenez ça. Paquet pour Fouchard, ok? Qu'est-ce que c'est? C'est une brioche poisson, la spécialité de mon magasin. Je voudrais que tu la livres au petit Fouchard. Comme il ne peut pas trop montrer ses moustaches en ville en ce moment, je dirais qu'il doit se cacher quelque part dans le coin. Ah, c'est un mistigri avec une queue toute noire, vous le reconnaîtrez tout de suite. Et la brioche est déjà payée, il suffit juste de la lui donner. Hey, il n'est pas marqué livreur sur nos fronts. Revenez me voir quand vous avez terminé, je vous donnerai une petite récompense. Bon, d'accord. Trouvons ce Fouchard alors. Vu le nombre de mistigris dans le coin, on devrait vite trouver notre loustique. On va aller par là. Tout noir, ne seriez-vous pas monsieur Fouchard? Ah, j'ai rien fait, j'aurais craché, laissez-moi partir s'il vous plaît. Oh, wow, du calme mon pote, on est juste venu te livrer une brioche. What? Une brioche? Yes. Ouais, madame Lini de Libo Boutique nous a demandé de te donner cette brioche. Oh. Bah, il fait peur. J'ai bien cru que vous étiez des soldats venus m'arrêter. Thanks.
Dis, j'aimerais te poser quelques questions sur la situation de Mistigris. Ça m'a pas l'air d'être facile tous les jours. Vous êtes dans un autre royaume, c'est ça? On n'a plus beaucoup de visiteurs par ici depuis l'instauration du blocus. En gros, depuis que Kratolion a pris le pouvoir, les Mistigris ne sont plus en sécurité dans les rues de la ville. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais parti m'acheter une brioche et les soldats ratocrates ont commencé à me poursuivre sans raison. Tu as donc dû t'enfuir sans récupérer la brioche que tu avais payée. Exactement, les ratocrates nous ont chassés de nos maisons pour s'y installer, nous obligeant à vivre dans un vrai bidonville. Et comme il y a des gardes postés à l'entrée de notre quartier, on doit se faufiler par les égouts pour aller s'acheter à manger. Golly. Voilà pourquoi il n'y a plus aucun mistigri en ville. Oh. En vrai, j'aimerais bien manger un vrai poisson frais, mais plus personne n'a le droit d'en vendre en ville. Enfin bref, je ne peux pas m'éterniser ici, sinon les gardes vont me repérer. Goodbye. J'espère qu'on se reverra un jour. Merci et au revoir. Cricky. Bon, retourne voir Madame Midi. Welcome. Ah, vous revoilà. Alors, vous avez livré au petit Frouchard? Oui, je l'ai trouvé, je lui ai donné. Merci beaucoup, je sais que je pouvais compter sur vous. Et comme promis, voilà une petite récompense. Ah, une brioche poisson, ok. What? Recevoir une brioche poisson pour avoir livré une brioche poisson. Super. J'imagine bien qu'en avoir une entre les mains a dû vous donner envie. Surtout, n'hésitez pas à revenir si vous en voulez d'autres. Oh, the cheek! Ouais, dis tout de suite que tu voulais faire ta pub. Les ratocrates ont donc bel et bien chassé les mistigris en les obligeant à vivre dans un bidonville. Ils n'ont pas le droit de se promener librement en ville, mais peuvent tout de même s'y rendre sans être vus en empruntant les anciens égouts. Blimey. Peut-être pas en prison, mais c'est tout comme. Si nous voulons les rencontrer, nous ferions bon donc de passer par ces anciens égouts. All right. Tu as raison. On va voir où ils sont justement. D'accord, sur la droite. Alors, je reviens de mes carbores. Léobardo. David, dormez tranquille. Je m'appelle David, je suis détective à mes carbores. Je protège la veuve et l'orphelin dans ce royaume. Aucune affaire ne me résiste. Partout, il y a des esprits partout, espérance. Je n'avais jamais aimé Carbor. Je fais des découvertes tous les jours, c'est absolument passionnant. Cool. Bien arrivé, premier servi, 4. J'ai encore caché un petit cadeau, sauriez-vous trouver cet endroit? D'accord. Parce qu'en plus, ils font des chasses au trésor ici. Hop là, on va aller se cacher ici. On va aller voir, hein. Où sont les autres? Ah ouais, parce qu'il y a des monstres en plus, bravo. Je pensais que ça allait être facile. M'aurait-on menti? Ah, TP. Sauvegarde, au cas où, au cas où. Oh, sur quel level? 47, ok. Voilà. Ah, je peux utiliser mes sorts, bravo. Aïe aïe. Ah, voilà, un zombie. Ça, c'est ça.
voilà. Bah, une fois regardé. En loin en plus. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire ça à l'ancienne. I am counting on you, Warren. All judgment is not. Aïe aïe aïe. Ah bah ouais. C'est comme le fun. Et la guerre ici. Voilà, un arc titan de clarté. Show me your power. Ils sont loin. Ce mob là c'est horrible. Quand il ne veut pas être touché. Voilà. Suzy. J'en parle plus. Shall we? Ah bon. Combat quand même. What the fuck? Eat this. D'accord, ici, ils sont ici. D'accord, tout va bien. Ah, ok, bon. Alors ici, on a un problème. C'est que tout le monde s'est fait rétamer la tronche. Ah. On va faire ça pour être sûr. Là, et deux, hein. Qu'est-ce que c'est que ce combat là? Aïe. LOL. Bien lourd le combat, tu sais. Oh là là. Oh là là. Casse burette, quoi. Je vais en claquer des soins, je te le dis. Hein, quand même, c'est l'air de faire mal quand même. Pas au bout de nos peines. Regardez. You ready for this? Aïe. Ne laissez pas passer. Ne laissez pas passer. Aïe, aïe. Ah oh, ouais, je regarde comment je le fais défoncer. Voilà, allez, vas-y. Ils font très mal, hein. Et ben, il va.
à regarder un peu le stuff de tout le monde parce que la vie sur tout le monde. Voilà. C'est quoi l'encens magique floral? Beaucoup les PM, ok. Alors, équipement. J'avais du stuff en plus, je crois. Oh oui. Ah. Ah, ça c'est bien. Alors, dans les épées, ça c'est autre chose parce qu'on n'a rien du tout. Ça a l'air d'être mieux. On va faire un peu plus de dégâts. Quoi, c'est une blague? Ah non, j'ai fait tout ça pour rien. Hop là. Tant pis. Alors, je vais me perdre un peu vers le nord, ouais, par là. Ah là 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 là. C'était pas la bonne route. Prends la bonne route directement. Qu'est-ce que ça fait, cette statue? Le roi Léopold? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Je crois que c'est une statue d'un de mes ancêtres. Ah, il va falloir allumer, ouais. Hey! Tu peux les utiliser en tu peux le faire en utilisant embrasement comme j'ai appris. Ouais. Il y a le nombre 15 gravé sur le bougeoir. Lancez pour oui. Ok. Ah. D'accord. Oh. Ouah, la porte s'est ouverte. Le chiffre grasé ici ressemble à un chronomètre. On doit allumer toutes les bougeoires avant la fin du temps imparti. D'accord. Les gens qui ont conçu ces mécanismes sont vraiment tordus. Ça me rappelle un certain superviseur, tiens. Ah. Là, il y a une sauvegarde. Canal numéro 2, ok. On va faire ça, hop là. Sauvegarder tout le monde, enfin, restaurer tout le monde et sauvegarder. Bien s'il faut farmer en fait. Hein. Croyez-moi, oh là là. Ici il y a du monde. Hein. Watch your back. Aïe 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 aïe. On va essayer d'en trouver une paire. Un maximum déjà. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Sérieux là? Comment ils m'enchaînent les gens? Here goes. Au revoir. Aïe. Est-ce que vous savez? Et non. Ouais, ok, d'accord. Bien, merci. Vous avez vu le nombre de dégâts qu'il fait une fois qu'il attaque, hein, le coco là? Alors. J'aurais aimé pouvoir soigner les autres, mais. 25. Ok. Tiny.
D'accord, 25. Bon. Allez. Bah, c'est pas possible ça. Je vais pas l'avoir. Je l'aurai pas, hein. Ok. Ah. 14 secondes, c'est chaud. Impossible, impossible. 8 secondes. 4 secondes, 3 secondes. C'est chaud, hein. Comment tu veux? À mon avis, il faut pas perdre de temps. Ça, c'est clair, d'être précis. Ou alors, il y aura un endroit où il faut couper. Ah, il reste 8 secondes. C'est raté. Une seconde. Eh, c'est chaud, hein. Alors, comment tu veux que je fasse ça? Allez, vas-y. Ah, il s'est raté, hein. Quatre, trois, deux, un. Ah, il m'a manqué une demi-seconde. Je vais recommencer, hein. On va la voir. Voilà, et de un. Raté. Secondes. Il y a quelque chose là, ouais. À mon avis, je peux pas. Ah, ça va être chaud. Alors. Si, ici, il y a quelque chose qui gêne. Ah. Raté. Alors ça. Si on m'avait dit que je bloquerais sur un truc à la con. Il y a un truc là. Je peux couper là. Dans l'autre sens, d'accord. Alors attention, on va essayer de garder notre calme. Et je crois qu'il faut faire dans l'autre sens. Ouais. Bon, on va prendre ça déjà. C'est par là qu'il faut aller. Attendez. On va essayer d'inspecter, on ne sait jamais. Voilà, ok. D'accord. Bon, ben voilà, j'ai compris. Allez, c'est parti. Oui. À quelques secondes près, hein. Là. Et on va aller dans l'autre salle ici à côté et on va faire embrasement. Rafale.
Voilà. Flip. Voilà, nous y sommes, enfin. Eh ben, c'était pas facile, mais nous y sommes arrivés. Il a fallu que je compte sur l'aide extérieure, on va dire, d'un sort. Je pensais que je pouvais y arriver sans, mais bon. Watch your backs. Eat this. Oh. Aïe, aïe, aïe. Allez, on termine ça. Voilà. Et il pique la main. Et bah, et bah. Pas facile, hein. Franchement, quand on voit, ils sont rouges. Hein. Canal numéro 3, d'accord. Genre, les mystigris doivent faire ça tous les jours. J'ai un peu de mal à y croire, hein, mais soit. Oh, la tarlouse. Voilà, au revoir. Oh là. Ah, oh là. Je vais me soigner avant que il y ait un carton. Là. Pas possible ça, regardez. Me dépop. La chance, énormément de chance. Bah ouais, voilà. L'arme d'ange, boum. Ah, Cécilius, il y a quand même encore un PV. Je sais pas comment il a fait lui, mais il l'a fait. Ah. Voilà. Et bah. Par contre, ça me fera pas de mal. Carrément pas. Et à mon avis, si je veux terminer le jeu, je vais le voir passer par la case. Par la case farm. Y a pas d'avance. C'est des égouts. Non. Passe tout le tour. Good luck, everyone. On va essayer de passer par là. Voilà. Parce que, à l'allure où c'est parti ici, j'arriverai pas en vie. Pas jusque là, en tout cas. Là, attention. Pas de boss, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'était? Quelqu'un a crié, alors on voit ce qui se passe. Encore ces satanés bougeoirs. Pas. Il faut vite que nous trouvions les autres bougeoirs. Les PV ont été rétablis. Voulez-vous sauvegarder? Oui.
Là-haut, attention. D'accord. Alors attendez. D'accord, c'est pas à côté. Je me dis qu'on va encore galérer pour les faire, ceux-là. Et c'est ici donc qu'on va se laisser pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait. Merci à tous. Bye bye.